Et maintenant, un combat dans la catégorie des light heavyweights. Everybody wanna be the only one. Better pay your dues, man, if you owe me some. For anybody not trying to be given none. Body the body and leave the body slum. Body the music for a living. So, trying to make a move. Et ça démarre. Et ce coup touche sa cible. Premier round. Et regardez, son allonge lui offre un vrai avantage. Avec une telle différence de taille, c'est normal. On va voir s'il arrive à rester maître de la distance dans ce combat. En tout cas, il va pouvoir se régaler avec son jab. Super technique. Oh, on s'est attrapé ce coup de pied. Un redoutable gauche. Oh, 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 quel coup de genou. Une place à low kick. Superbe enchaînement de coups de pied. On ne peut plus les arrêter. Il se rate de feu avec ce puissant coup de pied. Son gauche touche sa cible. Oh, joli low kick. Il touche sa cible avec ce coup de poing. Sa jambe est touchée, ça se voit. Coup de pied efficace par Daniel Cormier. Cormier affectionne particulièrement ce genre de frappe violente. C'est pour ça qu'on l'aime. Il place un joli low kick. S'acharne avec un autre low kick. Des attaques variées qui déstabilisent son adversaire. Oh, le low kick de Cormier. Il multiplie ses coups. Daniel Cormier commence à trouver ses marques dans ce combat et enchaîne les middle kicks. La frappe trouve sa cible. Oh, quelle technique. Coup de pied à la tête. Un gros direct. Oh, terrible low kick. Mais quel combat incroyable. Il le touche. Quelle puissante frappe au corps. Fabuleux. Oh, gros coup de genou. C'est à côté. Puissant direct. Le coup de pied, voilà, c'est dans la main. Sur l'adversaire aussi. Et cette tentative de takedown qui n'aboutira pas. Va-t-il y arriver? Bon, vous pouvez rater quelques tentatives. C'est pas bon s'il n'y avait pas de stratégie. Jolie droite par Cormier. Il aura essayé encore une fois, mais c'est raté. C'est encore pire pour le moral. Et si la tête ne suit plus? Jolie coup de pied. Je me demande si c'est la peine de se relever vu son état. La frappe envoie de nouveau au sol. C'est terminé. Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte que le combat était fini. Quelle frappe! On va revoir les actions de ce round. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. Le gros coup de pied, regardez. Bruce Buffer va annoncer la décision.